Bienvenue au club. Je suis content. La détection de métaux est soumise à des règles, veillez à bien les respecter. Bonne vidéo à tous. Ah, quelle belle époque vivons-nous. Un monde si ensoleillé. Un monde tellement connecté qu'il en oublie la réalité. Là où certaines parties du monde s'appauvrissent, tel un compte à rebours, d'autres s'enrichissent de jour en jour. Dans cet environnement si bouleversé, nous allons vite regretter de ne pas avoir bougé. Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toudou, monsieur Simon est avec nous. C'est un nouveau, c'est un petit puceau. Donc vous savez, c'est bien. La moindre petite chose, c'est des belles découvertes pour eux, c'est cool. On a commencé dans le champ un petit peu là, mais bon, trop de vent. On va s'abriter dans le bois, on va descendre ce chemin. Voilà. Bien sûr, on filmera tout. S'il y a des petites trouvailles, vous les aurez. S'il y a des merdouilles, vous les aurez aussi. Allez, des bisous. Il y en a plein qui me disent en commentaire, pourquoi tu fais pas le tour des ruisseaux, machin, machin? Bah écoutez, bah voilà, aujourd'hui on va le faire le tour. On va aller de l'autre côté, puis on va faire tout ça correctement, d'accord? Comme ça vous serez contents. Mais j'ai jamais guère pu se trouver dans les endroits là, hein. Faut pas rêver. Alors, faut déjà traverser. T'es chaud, non? Tu passes par là? Je passe par là. Boum! Ah. Voilà. Bon, j'ai pas mon Titou aujourd'hui, il est un peu malade, Titou. J'avais ça à la maison. Je crois qu'il se tape une petite gastro, je sais pas, un truc comme ça, en tout cas. Pas ouf. Voilà, on est au bord de l'eau. Vous êtes content? Ah bah on va nettoyer le déus. Puis bon, dans les endroits comme ça, on a trouvé des grenades, alors tu vois. Donne pas trop envie. Vous pensez qu'il y a de l'or là-dedans? Est-ce qu'on peut faire un peu de recherche d'or ici? Vous pensez les amis? Très pollué par ici, très très pollué. Il doit y avoir je sais pas quoi là-dessous. Simon, où es-tu? On a perdu Simon. Hey Simon, Simon est en train de creuser. Oh petit son à 30, c'est pas terrible. On est sur une capsule là. Alors, une capsule ou monnaie peut-être en fait. Non, c'est... Voilà, une cartouche. Voilà, cartouche de chasse. L'ascension de Simon. Ah, il tombera pas à l'eau, il me fera pas des millions de vues. Allez, hop. Tu vas à plongeon? Non, non, c'est bon. Prends pas de risque pour internet. Non, parce que moi je suis sur mon meilleur salto aussi. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. C'est un acrobate, Simon. Bon, alors, un petit son. Ouais, et maintenant j'ai 80. 80 et de 72 à 80. Il répond bizarrement. Mais ça m'intrigue. Bon, aujourd'hui, j'ai pas oublié le pointeur. Ça a l'air gros. Ça a pas l'air terrible. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un fer à bœuf.
C'est en faisant la détection d'ailleurs que j'ai appris que même les bœufs on les ferrait quoi. Bon voilà. On est dans un endroit, il y a des sons partout. Il y en a là. Il en a aussi de son côté. Il y en a là. On va voir. Ok, moi j'ai ça. J'ai un rond en alu, parfait. Donc ça, ça pète. A mon avis, j'ai la capsule à côté. Aussi. Bon, là, il y a un son par là. Bon, c'était pas bien profond. Hein, en tout cas. Tiens, c'est là. Hop. Ah, pardon, tiens, j'ai éteint. Tu le rajoutes. Alors voilà, de la loup, de la loup. Ouais, t'es sur un énorme truc là. Comment être dans ce lado? T'es sur un énorme truc. Duc petit. Moyennement profond en plus, je peux y aller. Lève là ton truc. Voilà, une belle barre yes. De fer. Yes. Ouais, attends, on va la replanter près du champ, celle-là. Ouais, bon, bah, de la pollution récente, quoi. De la pollution récente. Ah bah. Bon, j'avais un son qui me paraissait potable, mais j'ai gratté un coup avec le pied. Ah oh bah. Ah, c'est une cartouche. Ok, une balle. Ogive, un reste d'ogive. Ouais, oh, son au pied de l'arbre. C'est bizarre. Il est pas crevé celui-là en plus. Alors, il y a des mollos, hein. Je sais pas qui il est, mais. C'est ça. Oh putain. C'est par là ou quoi? Ah, c'est un anneau, trop fort. C'est un anneau. Trop bien. Peut-être qu'il y a eu un cheval accroché à cet arbre-là. On le fera pendant cet été, les amis. On remontera toute la rivière, promis. Elle va loin, ce petit ruisseau. Hein. Il va jusqu'aux grenades, en fait, le ruisseau-là. Il y a des grenades au boulot. À mon avis, il y en a encore, il y en avait deux. Première guerre mondiale. Ça fait peur, quoi. Là. Petit son à 89-90. Là, les gars, ça sent bon. Hein. Toi, tu sens bon. Là, ça sent bon. Tu l'as vu, non? Le pointeur, monsieur? Oui, s'il vous plaît, merci. Tenez. Peut-être par là. Bon vieux bout de ferraille, oui. On a vu. Vache. Ah oui, d'accord, ok. Gros matin, vache, ouais, ah, ok. C'est une canette, putain, c'est le port. Ouais. Bien à plat, il se... Ok. Ça sonnait drôlement bien.
Ouais, ouais, canette de poivron encore, quoi. Là. Je peux pas picoler chez eux, là. La Pinen Ramtung, je sais pas c'est quoi ça. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, les gars. C'est, les complètes, c'est même pas de la colle, c'est du détergent, ça. Il dépasse. Ouais. C'est encore dedans. Oh putain, j'ai une écharpe dans la chaussure. Ah, c'est moche. Il a l'air par là. Non, il a bougé. Il est où? Là? Ça a bougé là peut-être. Non? Qu'est-ce donc cette diablerie, gars? Ah ouais, sur l'appel. À mon avis. On dirait bien, un bout de ferraille qui sonne bien, un bout d'alu. Ça répond bien généralement, c'est de l'alu. Voilà, voilà, merdouille, merdouille. Hein. Au niveau du son là. Ah, 82. Bon. Bien. C'est bien ça? Ouais. Bah, pour le chant là, ouais, c'est bien, c'est des bons sons. Tout ce qui va être au-dessus de 60, c'est intéressant ici. Tout ce qui va être 35, 40, 90%, je te dis, ça va être une capsule, on a eu. Pardon, tiens. Je mets sur Cronenbourg. Tu mets sur Cronenbourg? Oh non, une capsule de croc. À part si elle est neuve, ça sonne très mal. Encore dedans. Et c'est par là, exactement. Ouais. Attends, non, j'ai vu quelque chose de briller au fond, non? C'est moi ou... Non, j'hallucine pas, je crois que c'est ça. Tiens, monsieur. Pose comme ça. Ouais, tu vas le remonter. C'est ça, un bout de cloche. Oh, t'as vu, ça c'est de la belle couleur. Un bout de cuivre. Un reste de quelque chose. T'as plus rien dedans? Non, c'est bon. On va voir ton objet. C'est assez lourd en plus. Enfin voilà quoi, faut pas se dire, tu vois des trucs comme ça, faut pas se dire j'ai trouvé de la merde. Faut se dire ça aurait vraiment pu être quelque chose. Non non, pour de vrai là. Là tu tombes sur un gros truc en cuivre. Si on a 82, ça aurait pu être une monnaie quoi. Ou une boucle ou quelque chose d'intéressant. Ouais. Et là je sais pas, je pense que c'est un... Non je sais pas. J'aurais dit la partie là d'un couteau des fois tu sais. Une petite dague. Je sais plus comment qu'on appelle ça. Faut que j'y passe, je vais passer en rentrant. Ouais, petit son, petit 46-45. C'est des sons que j'aime bien. C'est des sons que j'adore en forêt. C'est des sons ici, bof, dans le champ là. Et dans la motte. Ouais. Hop, pété en deux la fibule. J'ai vu des mecs aussi en vidéo qui des monnaies comme ça. En dessous, rien en dessous. Ouais. Moi j'ai des gants pareil parce que là je suis vraiment. Oh ça brille! Oh ça brille! C'est pas ça! On est content ou quoi? Oui! Allez, petit 185 pour Simon. Il aime bien creuser. Et tu vas en sortir une de monnaie ici, c'est sûr. Oh, la première. Ah voilà, oh une belle nappe. Magnifique.
Bien joué. Oh, même pas, c'est une royale. Putain, ça se trouve, c'est une Sidonie d'Ardennes. Non ? Un peu ça vaut. On va faire la pluie, parfait. Ouais. Bien joué. Oh putain, une belle patine dessus, elle est magnifique. Enfin, c'est une monnaie qui a circulé du coup, tu vois. Tu l'as presque dans l'état où elle est tombée en fait. Regardez-moi ça, la patine qu'il y a dessus, les amis. Elle est juste magnifique. Juste savoir c'est quoi. Je crois que c'est une napo. On voit encore les inscriptions dessus. Là, j'enlève. Quand c'est mouillé comme ça, tu peux t'amuser un peu. Mais faut pas frotter avec l'ongle. Tu prends quoi pour nettoyer une petite brosse pour sa dent ou... cure-dent. À sec. T'attends que ce soit bien sèche, mais c'est une napo. T'as fait comment les belles, hein. Voilà, félicitations, ta première Napoléon. Bienvenue au club. Je suis content. J'avais dit, dans le champ là, c'est sûr que tu vas en faire une. 81. Est-ce qu'il a paumé le reste ici, le monsieur? Pareil, regarde. Fais le tour du son là. Aigu. Ça grésille pas. C'est très bon son. Bah, comme l'autre. Ouais, c'est ça. Sûrement la grande sœur. Hein. Comment? Sûrement la grande sœur. Peut-être. 81. Allez, on va faire le tour. C'est déjà nous à notre époque, on arrive à paumer des trucs, alors imagine avant. Parce que je veux dire, avant ils avaient vraiment les poches trouées. Allez, c'est encore dedans. Je vais vous mettre en face. Ah oui. Ah, c'est une cartouche. Ah. Ça sonne très très bien. Ouais. Si tu creuses pas ça, tu loupes des trouvailles. Ah, regarde. Il est où? Il est là. Quand tu cherches ton son, tu rapproches ton disque tout doucement. Tu vois ce que je veux dire? Tu rapproches tout doucement de ta cible, parce que toi, commence à vibrer. Après, tu fais pareil, dans l'autre sens. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à comprendre où est-ce qu'en fait, il fait ta croix, ton disque. Ici, Tu vois, moi, je pense qu'elle est là, cette trouvaille, du coup. Un petit caillou. Et sinon, Pelle, tu en auras peut-être des plus adaptés pour toi, vu que t'es grand. Il y en a, elles sont vraiment grandes, avec un gros manche bien plus haut. Tu as juste à appuyer comme ça, tu te fais moins chier. C'est plus chiant à trimballer quoi. Beau caillou. Joli petit caillou. Tu veux le pointeur? Il me suit. Dans la motte? Peut-être dans la motte. Hein. Oh, il te le chope sans te tirer, tu vois. Des fois, c'est en surface. Hein. Pas de bague? Non? Ouais, dans ta moutre. Et dans ta poignée là. Ça comme un porc. Ah ouais, non, ouais, c'est ça. Ah, c'est ouais. Retour à l'état sauvage. Fait. On se retrouve comme des gosses. Ah merde? Ah voilà, petit bout d'aluminium. Ah, plein de trous pour Simon, plein de trouvailles aussi. Plein de trous, plein de trouvailles. Hey, oh, oh la vache, putain, un vrai professionnel. J'ai jamais vu quelqu'un retourner une motte comme ça. Ah, j'en cours vite, hein. Ah, c'est encore dedans? Oui. Oh, je sais pas, pointeur. Ça répond un peu moins bien. C'est toi le pointeur, Gaëtan. Je suis un pointeur, moi. Non, c'est juste la boue. Avec plaisir, tu sais. Je crois qu'on est des gosses un peu quand c'est comme ça. Ah oui, tu m'étonnes, en train de jouer dans la boue, quoi. Et encore, ça va, c'est pas hyper merdique. Des fois, tu creuses un trou, puis il se remplit d'eau. Puis tu continues de fouiller là-dedans. Cette merde. Ah, les médicaments. Oh, putain. Médicaments pour les bestiaux.
Comment tu sais ça? Ouais, parce que à force d'en trouver. La matinée, les conifères. Tu grattes un peu dessus, t'as un relief qui va être marqué aspirine, connerie comme ça, tu vois. Ça va être quoi celui-là? Je sais pas. Pas de plombage, t'as vu? Non, pas de plombage. Bah ouais, voilà quoi, la merde. Je m'en étale plein la gueule avec mes conneries. Comment? Je m'en étale plein la gueule avec mes conneries. Ah bah oui, peut-être bien. Bon, à l'heure où cette vidéo sortira, je sais pas si vous auriez vu. Si, vous aurez vu, j'espère, mon petit 4x4 que j'ai fait en FPV. J'espère que les vidéos là elles vont vous plaire. Hein. Il y a une paire qui vont arriver sur la chaîne. Oh. Allez, une autre monnaie. On refaire une autre monnaie. Allez, le lingot de 25 kilos. C'est pas ça. Attends, tiens, pointeur. Là, t'es de la rouille dans la terre, t'as vu? Ouais, mais après, c'est les cailloux ici. Il y a beaucoup de cailloux qui sont un peu bizarres. Excuse-moi, le rubrique, hein. Je peux pas te déranger. Mais... Ouais, tu l'as un peu découpé, surtout. Non, je sais pas. Désolé, je filmais pas, les gens. Oh, c'est peut-être une roue d'un jouet. Je sais pas, c'est assez particulier. Ouais, je sais pas trop. Hein. T'es rentré un peu plus. Ah, puis y a pas de bout de bois, là. On aura du mal à... J'ai pas de brosse non plus. Je sais pas. Ça a l'air plutôt fragile. Je sais pas, je pense une roue de jouet. C'est ce que ça me fait penser en tout cas. Ouais. La roue d'un jouet ou une décoration, un truc. Salut mon poulet, je passe à l'essence et j'arrive. Ramène mon gamin. Tranquille, il y a une demi-heure. Ouais, pas mal. Je pense à un jouet, à une roue de jouet. Encore dedans? C'est quoi ça? Oh, je sais pas. Mais il y a du verre là, les amis, il y a du verre. On a bougé un truc. C'est ça. Ouais. Encore du cuivre. Je sais pas. Encore un bout de cuivre. Voilà. Ah putain! Ça va? T'as pas un tatac? À quoi? Tatac. 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 Des clôtures. Ah ouais? Clôture électrique. Et merde. Voilà, c'est horrible. Je peux rien faire comme ça. Mais des fois, elle est pas branchée. J'ai jamais eu de retour comme ça. Il a changé son truc ou quoi? Surface? Sérieux? Là, tu prends un bout. Non. Le gros. Regarde ce qu'on trouve, mec. Un plomb de pêche, gros, une olive. Fou, gros, la rivière, gros, elle est à 1 km là-haut. Ça fait lancer. Ah bah c'est net, quoi. J'ai ma chaussure qui fume, Gaëtan. Excellent. Ah, c'est un fesse de loup. Un champignon. T'as écrasé un champignon fesse de loup, non? C'est ça, ouais, la fumée. C'est des spores en fait qui s'en vont. Ouais. C'est pas pareil les appareils. 58. Ouais, faut creuser ça. Après mon ami, il faudra y aller, je suis désolé. Ouais, dernier coup, je suis pris par le temps. Tu me redis si je m'avais quand même sorti, moi je viens. Bah pas de soucis, pas de soucis. Écoute hein. Ouais ouais. Bon, la semaine si je sors, mais quand il fait bon quoi. Tu passes en cours en 3-8? Non, non. De journée? De journée, ouais, tout le temps. Ah, t'as des chardes, je reviens. Allez. Un petit bout d'aluminium. Allez. Ah, c'est un bout de bédoc, je sais pas quoi ça encore.
Génial. Bon ben voilà les amis, la sonnerie retentit, on entend la cloche. Il est midi, c'est l'heure. Bon, j'espère que cette sortie t'a plu, monsieur Simon. On s'en fera ça très prochainement. Ça va, ça me dérange pas. Je vais vous épargner le bruit du vent qui était quand même assez agaçant à la fin de la vidéo. Ma foi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Bien sûr, si tu es toujours là, en commentaire, tu peux taper veste de loup. Ouais, c'est rigolo, non? Petit champignon qui fume, enfin bref. Allez, c'était Thérapie, ma foi. Prenez soin de vous et bisous. Mais aussi merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. J'ai clairement doublé mon nombre d'abonnés en l'espace de 2 mois. Donc franchement, merci à tous. Prenez soin de vous. Bisous.